Bonjour, nous sommes le 17 mai 2024, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Étant donné que je suis un militant historique de la cause altersexuelle et que j'ai participé il y a un certain nombre d'années au début de cette journée mondiale, je voudrais proposer aujourd'hui un article un peu provocateur au titre paradoxal, Alain Soral en prison, pas en mon nom. Alors cette vidéo sera plutôt un audio agrémenté de quelques visuels qui figurent dans l'article, auxquels vous pourrez vous référer en regardant l'article, en cliquant sur les liens. Je ne vais pas euh, alourdir l'article en signalant à chaque fois qu'il y a un lien, mais vous savez que chaque fois que je fais allusion à une référence précise, un lien vous permet de vérifier mes affirmations et d'approfondir l'article. Alors évidemment, cette lecture s'adresse aux personnes occupées, par exemple, aux mères de famille euh, occupées, à jouer aux petits soldats avec leurs filles et à les euh, faire participer aux activités de bricolage dans la maison, repeindre le plafond, euh, activer le marteau, les, ci les cisailles, etc. Et pendant que le papa est en train, lui, de jouer à la dinette avec son aîné, euh, de repriser euh, les robes et les chaussettes, enfin des activités typiquement masculines. Bien Allons-y. Alain Soral en prison, pas en mon nom. Le lobby LGB truc machin chose en course pour le trophée de la communauté la plus casse-gouille. Ayant été brièvement une modeste figure du militantisme intersexuel, mot que j'ai proposé en lieu et place de l'acronyme incompréhensible LGB truc machin chose, aux, aux allures de Tancarville, il me semble légitime, autant qu'indispensable, d'émettre une protestation Contre l'emprisonnement d'Alain Soral sous prétexte de LGB truc machin chose phobie. Ceci pour sauver l'honneur de cette prétendue communauté en réalité ectoplasmique et instrumentalisée par des intérêts occultes. Je publie cet article le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, journée à laquelle j'ai contribué dès sa création, comme en témoigne cet article de 2007. Ce long article a pour but de faire comprendre ce paradoxe. Défendre Alain Soral, c'est lutter contre l'homophobie. Quelle est la raison de cette incarcération d'Alain Soral Attaque au couteau contre une famille, charlatanisme au profit d'un faux vaccin ayant entraîné la mort de nombreux cobayes forcés, violence et menaces de mort en mode organisé, corruption au sein de l'Union européenne, trafic d'enfants Non. Alain Soral est coupable d'avoir écrit deux mots qualifiant une militante lesbienne de poids de, je cite, grosse lesbienne. Ce visuel réalisé par le site Égalité et Réconciliation résume bien la chose. Le mieux est d'écouter Alain Soral expliquer ce énième procès politique qu'il a subi cette fois-ci en Suisse, où il avait cru pouvoir se réfugier du fascisme mondialiste qui s'est emparé de la France et de l'Union européenne. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo de mai 2023, Suisse mon procès pour homophobie, fin de la neutralité et calendrier LGBT. Un article de l'Observatoire du journalisme expose l'affaire, datée du 7 octobre 2023, six mois avant la condamnation définitive en appel. Même si l'objet de cet article n'est pas de défendre les propos d'Alain Soral, mais de protester contre une peine hors de proportion, il me semble utile de l'écouter avant de se demander s'il faut le condamner. En tant qu'altersexuel, je trouve ses réflexions actuelles sur les sujets LGBT truc machin chose intéressantes, informées et utiles au débat. Je vous propose cette vidéo datée du 19 février 2023, intitulée « Bientôt la fin de la folie LGBT ». Soral est une des nombreuses voix qui en appellent actuellement à la raison, et qui nous préviennent de la bombe à retardement de l'actuelle promotion délirante des transitions de genre chez des adolescents, voire des enfants, qui forcément dans les années à venir vont porter plainte pour mutilation sexuelle contre les médecins qui les auront opérés et contre tous les apprentis sorciers qui les auront encouragés à se mutiler. Ce sont des sujets que je connais bien et je m'étonne du retournement à 180 degrés des LGBT trucs machin-chose. De mon temps, quand j'étais un modeste militant intersexuel, le mot d'ordre était de protester contre les opérations précoces de réassignation de genre des enfants nés intersexes, avec les deux sexes. Beau plus précis que l'ancien Hermaphrodite, ce qui leur imposait l'un des deux sexes sans possibilité de retour avant qu'ils soient en âge d'exprimer leurs préférences. Quelques années plus tard, voilà qu'on encourage des opérations de réassignation de genre irréversibles sur des enfants qui n'ont en aucun cas la maturité nécessaire pour faire ce type de choix sans retour. C'est ce qu'explique Soral, mais aussi les époux de l'épine. Voir un article très documenté du docteur Gérard Delépine, Les expériences étrangères de la transidentité. Chez les mineurs, éclaire le problème. En ce qui concerne la proportion de naissances intersexes, j'ai trouvé sur le site du Sénat des chiffres contradictoires de 2% ou de 1 naissance sur 5000, soit probablement environ 160 naissances par an. Et Wikipédia, brasse large. Les individus correspondants sont qualifiés d'intersexes ou d'intersexués. Dans l'espèce humaine, ils représenteraient environ 1,7% des naissances, entre parenthèses, avec une fourchette entre 0,05% et 4% en fonction des sources et des études. Fermez la parenthèse. Je rappelle que même si vous ne représentez que 0,1% de la population, ce que vous avez en vous, vous le portez 100% du temps. Le silence de la communauté LGBT truc machin chose sur ces sujets clivants, qui pourtant doivent les concerner, a de quoi étonner. En effet, je suppose que de nombreux enfants de couples gays doivent être sujets à des interrogations sur leur genre, compte tenu de l'exemple de leurs parents et de la surinformation sur ces thèmes. Quelle est alors l'attitude de parents gays à qui leur enfant de 12 ans impose un changement de genre La remise en question doit être radicale. Le témoignage récent d'Olivia. Les deux GPA d'un couple hétérosexuel constitue un exemple sur la bombe à retardement que constitue en général le fait de bouleverser la vie d'un enfant sans son consentement ou avec un consentement extorqué avant l'âge. Rares sont les associations altersexuelles qui aient pris conscience de ce dévoiement mortifère de leur cause. Gays Against Groomers est une association états-unienne anglophone active sur les réseaux sociaux, soutenant des candidats aux élections qui signent leur charte contre la sexualisation, l'endoctrinement et la médicalisation sous le couvert de LGBTQ. Voici une page en français qui les présente. Il n'existe pas encore, à ma connaissance, d'association francophone sinon française qui mène ce combat salutaire. S'il en existe une et que ses membres tombent sur cet article, qu'ils me contactent. Je n'ai plus vocation à militer dans ce domaine, mais une telle cause mérite qu'on s'y intéresse et s'y associe au moins de cœur. On ne peut pas laisser ce faire cela en son nom, en notre nom, sans au moins dire qu'on n'est pas d'accord. Soral en prison, pas en mon nom. Lobby juif versus lobby LGBT truc machin chose. Il en va des altersexuels comme des juifs. Même si un juif estime qu'il n'a rien à voir avec l'état d'Israël et l'idéologie sioniste, les crimes commis par cet état et au nom de cette idéologie génocidaire retomberont sur lui. J'ai fait retomber leur conduite sur leur tête, Ézéchiel 22, 31. Ne serait-ce que parce que l'anti-israélisme de réaction ne le distinguera pas des juifs qui ont participé ou approuvé le génocide. Et au-delà des crimes commis actuellement depuis octobre 2023, l'instrumentalisation de la Shoah et de l'antisémitisme depuis des lustres pour intimider ou museler des penseurs antidoxa, qui a atteint un niveau délirant lors de la pandémie covidiste où l'on a par exemple tenté de coller le sparadrap antisémitisme sur Didier Raoult, dont la femme et les enfants sont juifs, cette instrumentalisation implique indirectement les juifs qui n'en sont pas responsables et qui devraient protester hautement, pas en mon nom ni au nom de mes ancêtres. Le parallèle va plus loin, car les deux communautés, juives et LGBT truc machin-chose, sont prises en otage par des lobbies qui profèrent en leur nom des choses inadmissibles et manipulent l'opinion. La communauté juive organisée, pour utiliser l'expression de faits et documents, est redoutable avec ses innombrables associations de par le monde qui distribuent leurs feuilles de route aux dirigeants qu'elles contribuent à mettre en place. Pour ne pas hypertrophier cette digression, je rappellerai seulement deux faits peu contestables. Premièrement, les propos d'Elisabeth Lévy en 2015 sur France Intox à propos du président du CRIF qui engueule les ministres. Deuxièmement, l'article du journaliste juif états-unien Thomas L. Friedman en 2011, « Newt meet Bibi and Vladimir ». J'espère que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou comprend que l'ovation debout qu'il a reçue au Congrès cette année n'était pas pour sa politique. Cette ovation a été achetée et payée par le lobby israélien. En clair, le lobby juif états-unien se vante d'avoir acheté en 2011, je dis bien acheté, tous les membres du Congrès états-unien. Faut-il répéter cela pour que l'on se demande la raison de l'attitude des députés français actuels face à la dictature d'un parti minoritaire Faut-il rappeler la phrase historique de Charles de Gaulle dans sa conférence de presse à l'Élysée le 27 novembre 1967 Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, etc. Ce qui se passe actuellement est historique. Nous vivons le début de la fin de la domination de la communauté juive organisée sur l'opinion occidentale. Des Juifs antisionistes courageux ont frayé la voie depuis des années, qui sont des modèles. Comme par exemple Jacob Cohen et sa fameuse Quenelle de 2014, en protestation à, je cite, la puissance du lobby judéo-sioniste. Et les nombreux membres de l'Union juive française pour la paix, comme Pierre Stamboul ou Michel Siboni. En Israël même et aux États-Unis, de nombreux juifs sauvent l'honneur et accusent Israël de génocide, comme par exemple l'israélien Raz Segal. Même si c'est un gauchiste et qu'il s'est ridiculisé à vie avec ses sketchs nationaux-covidistes sous la tyrannie du même nom, l'attitude résolue de l'humoriste Guillaume Meurice est historique. Sa phrase Vous en faites des mugs des t-shirts, à propos de la formule nazi sans prépuce, restera un mème de la libération de la France de ce terrorisme choatique qui mène le monde au chaos. On note d'ailleurs que la caste de la communauté juive organisée, à un coup d'avance et que beaucoup de ces gens-là se plaisent à cumuler les deux cartes qui permettent de tuer dans l'œuf toute critique. Est-ce un hasard si nos deux derniers premiers ministres sont en même temps juifs et LGBT Borne a refusé d'abattre en public aucune de ces deux cartes. Le Jérusalem Post s'en est chargé pour elle en la classant troisième de son palmarès 2022 des juifs les plus influents au monde, au cas où elle aurait oublié ses obligations. Mais Atal a proclamé l'une à l'Assemblée, puis l'autre lors du repas annuel du CRIF. Dire que cet imposteur qui a volé ses diplômes est une nullité crasse et donc à la fois homophobe et antisémite. Le problème pour cette caste est qu'à l'instar des Charabrams sur le front ukrainien, le bazooka capable naguère de désinguer en un seul coup n'importe quel adversaire est en passe de devenir un pistolet à bouchon qui fait flop, ou un moulin à prière, qui ne convainc que les derviches tourneurs du choatisme et, et du lgb truc machin chosisme. Horreur suprême. La justice refuse parfois de se laisser instrumentaliser. Rappelez-vous ce préfet indigne qui fit détruire une œuvre d'art. Eh bien, hélas pour ces fascistes, l'œuvre d'art de Lecto représentant Attali en Gépeto, de la marionnette Macron, n'est pas plus antisémite que le sketch de Meurice. Oui, on peut en faire des mugs et des t-shirts. Attali est bien le manipulateur de notre marionnette, du moins on a le droit de le penser. Et d'ailleurs, il s'en est lui-même vanté. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est même moi qui l'ai inventé. Ce que su je suggérerais à Lecto, c'est de réaliser une fresque en face de l'Élysée, sur la façade des bureaux de Carlo Brusa, représentant Emma Cruel Nécron en tekel tenu en laisse par Bernard Arnault et David de Rothschild, grimé en drag queen dans le style de Jean Elion. Ce serait plus conforme à la réalité, car Attali et Minck ne sont que des sergents recruteurs. Est-il antisémite de rappeler que pour Alain Minck, la marionnette Micron est la pute de Rothschild Est-il antisémite de rappeler le fameux mème du président du CRIF forçant la main de sa marionnette, impuissante à échapper à son emprise, comme elle semble pour la vie, impuissante à échapper à l'emprise du prédateur qui s'est emparé de lui à l'âge de 14 ans il n'en reste pas moins que le fait d'avoir dégainé le pistolet à bouchon de l'antisémitisme pour détruire une œuvre d'art est un scandale inouï. Et le préfet qui s'est rendu coupable de cette auto-dafé doit être démis de ses fonctions et ses responsables doivent en payer le prix. Qui est le marionnettiste des préfets L'armée des néocons poursuit son opération massive mondiale de manipulation des opinions en agitant le grelot frelaté du choc des civilisations. Il faut absolument lire cet article de Laurent Guyenaud publié par le réseau Voltaire en 2013, Le triple jeu des néoconservateurs, qui explique comment la politique extérieure des États-Unis a été mise au service d'Israël par les néoconservateurs qui sont pour une bonne partie des extrémistes t en guerre, ceux que Jacob Cohen appelle les sayanines ». L'opinion publique française est matraquée depuis des dizaines d'années par des divisions hégémoniques, de ces néoconservateurs souvent vêtus de la peau du renard qui se font passer pour souverainistes français. Les exemples abondent, les deux meilleurs étant à mon avis premièrement le polygame Zemmour qui passe son temps à stigmatiser un communautarisme toujours le même, le communautarisme islamique qui, horreur malheur, prône la polygamie. Deuxièmement André Bercoff, le héros des anticovidistes, qui pourfendait les conflits d'intérêts des médecins de plateau télé, Oubliant de déclarer leur lien avec les labos, mais qui, à chaque fois, au moins une fois par semaine, qu'il consacre une émission à pourfendre un communautarisme toujours le même, le communautarisme islamique, oublie systématiquement de préciser son lien d'intérêt avec la communauté juive organisée et son militantisme sioniste, comme l'a exposé Fay Document dans le numéro qu'il lui a consacré. André Berkoff a parfaitement le droit d'être un militant sioniste, mais passer son temps à dénoncer le communautarisme islamique sans préciser qu'il est un militant du, du communautarisme juif, relève de la malhonnêteté intellectuelle. Quant à Meyer Habib, il est hors concours, et il serait sans doute antisémite, de rappeler à l'histoire de François Belliot son rôle dans l'étouffement de l'enquête Charlie Hebdo. Cette malhonnêteté est tellement courante qu'elle fait taire depuis des lustres les voix dissidentes. Il est plus étonnant d'entendre quasiment chaque jour dans l'émission matinale de Radio Courtoisie la ligne droite un matraquage éhonté sur le même thème du communautarisme, toujours et uniquement musulman. Stanislas Berton nous met en garde dans cet extrait d'une conférence donnée en mai 2024 où il évoque le plan Calergui. Heureusement, Wikipédia, qui nous aime bien, mais qui aime bien aussi les subventions désintéressées de milliardaires, a tartiné beaucoup d'extrêmes droiteux dans son article sur le diplôme. Or, le génocide en cours à Gaza, perpétré par des hordes de nazis sans prépuces, qui pullulent dans les médias fascistes, est le début de la fin de ce terrorisme intellectuel. Voyez le naufrage de Finky exposé par Égalité et Réconciliation. Je n'en dis pas plus sur le sujet ici et vous renvoie à cet article, Apartail des étoiles jaunes, le camp du bien nous donne encore la leçon. En fait, il n'y a rien là que de très habituel, sinon normal. On cite souvent la proportion de 5% entre les résistants d'un côté et de l'autre, le bloc de 90% de résignés tétanisés par les 5% de collabos qui soutiennent la tyrannie. Ce que nous observons actuellement au sein de la communauté juive mondiale est la même chose que ce que nous avons observé dans la plupart des pays, des pays occidentaux qui donnent des leçons de démocratie au monde libre. 5% de résistants à l'idéologie nationale covidiste, 5% de collabos et 90% de moutons prêts à se laisser mener à l'abattoir. Il n'est pas étonnant que des juifs rescapés du génocide qui ont encore la force de s'insurger, comme Vera Sharaf, aient tout de suite compris l'arnaque. Le LGBTisme est devenu un fascisme qui va engendrer de l'homophobie. Pendant qu'Alain Soral purge une peine de prison pour deux mots, des nazillons qui prétendent parler en mon nom, sans doute financés par Georges Soros comme la plupart de ces idiots utiles, profèrent des menaces de mort et les inscrivent sur les murs de Paris sous la forme d'un acronyme fuligineux comme tout le langage des meneurs LGBT truc machin chose, souvent des intellectuels déconnectés de la réalité incapables de comprendre que leur sabir est incompréhensible de la plupart des gens, comme leur novlangue inclusive, justement dénoncée par l'Académie française. Il s'agit de la formule « une terf, une balle » qui n'est pas sans rappeler la magnifique chanson d'Enrico Macias « fort de tout pays, dégommez-vous ». Vous voyez cet article. Compte tenu du fait que les nervis gauchistes commettre régulièrement des passages à tabac qui sont de véritables tentatives de meurtre, comme celle dont a été victime mon ami Léopold Jimmy, classé sans suite, sans suite par la justice gauchisto-macroniste, ces graffitis ne sont pas à prendre à la légère, et leurs auteurs devraient, si nous vivions en, en démocratie, être fichés S par la police. Mais le gouvernement et ses faux opposants unanimes sur ce sujet, de LFI au RN, sont parfaitement synchrones. Grosse lesbienne égale, violence homophobe insupportable. Une terre, une balle, égale liberté d'expression. Qui est fiché S des, des gilets jaunes, et par exemple Xavier Moreau. Darmanin a rendu inopérant ce fichier en y fourrant de force des opposants à la dictature des macruel nécrons, de sorte que la police ne puisse plus identifier clairement les séparatistes potentiellement dangereux. C'est l'application par la police de l'étiquetage antisémite par la police de la pensée sur toute personne qui s'écarte de la doxa. La conséquence, sinon le but, est que le bazooka des fichiers S n'est plus lui aussi qu'un pistolet à bouchon qui ne peut que laisser passer des loups solitaires. N'est-ce pas le but, puisque chaque attentat est prétexte à une nouvelle destruction des libertés des citoyens complotistes Le lobby LGBT-Truc-Machin-Chose, toujours parlant en mon nom, pratique l'inversion accusatoire. Et alors que c'est lui qui menace de mort ses opposants, agite le moulin à prière la transphobie tue, comme ici avec SOS homophobie. Chacun a pu constater que les rues de France sont jonchées de cadavres de trans. Cet infâme lobby LGBT truc machin chose, qui parle en mon nom pour proférer des conneries, me met en danger, parce qu'une poignée d'homophobes résiduels risquent de se venger sur moi de leurs conneries. Cet obscur lobby menace en réalité nos droits constitutionnels d'expression et de manifestation. Ces militants bidons sont en réalité subventionnés par des milliardaires et par l'UE pour couvrir de leur gloussement les seuls slogans que l'on devrait, devrait entendre actuellement. Israël tue, l'OTAN tue. Comme disait Bourdieu, si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Pour parler clair, la communauté LGBT est un leurre très pratique utilisé par les manipulateurs à la Soros. Il n'y a pas de communauté LGBT. Quel rapport entre un activiste LGBT truc machin chose, Muriel Robin, moi, Amanda Lire et Jean-Michel Trogneux, François Asselineau ou Florian Philippot Croyez-vous qu'Asselineau, qui a reconnu ses pulsions bisexuelles, se considère comme LGBT On a compris que Jean-Michel Trogneux préfère faire déclencher une apocalypse nucléaire aux mineurs qu'il a détournés plutôt que de reconnaître qu'il est transgenre alors que en même temps il promeut le changement de sexe dans les écoles comme un truc tendance faut-il rappeler à ces faussaires que loin d'être un pays transphobe la France s'est depuis toujours manifestée comme un pays transfile que ce soit à Paris ou en province les hétéros se précipitent au spectacle de cabaret transformistes. faut-il rappeler les soirées de l'ignoble Jean-Marie Le Pen et extrême droite chez Michou Amanda Lyre est adoré par le public. Et le trans Jean-Michel Trogneux, détourneur de mineurs qui crèche à l'Élysée, si on croit la presse des milliardaires qui ont mis au pouvoir le collégien qui fut sa victime à l'âge de 14 ans selon Emmanuel Anison, est adoré des Français qui trouvent que ses cannes éthiques sont les plus belles jambes du monde. Cet individu a pour meilleur film une comédie transgenre de Billy Wilder intitulée « Certains l'aiment chaud », un chef-d'œuvre universellement admiré. Le film et la comédie musicale Rocky Horror Picture Show connaissent un succès ininterrompu depuis 50 ans. Tout cela est connu et incontestable. L'individu qui a usurpé l'identité de Brigitte Macron n'a jamais porté plainte contre faits documents, mais on détourne notre attention avec un obscur procès annexe. Mais ce lobby truc machin chose, sûr de lui-même et dominateur, nous rebat les oreilles avec des accusations de crimes imaginaires. Il s'agit d'une course de fond entre deux lobbies qui se disputent la palme de la communauté la plus casse-couille et liberticide, tout en accusant l'islam de la détenir. En mai 2024, le dernier concours de l'Eurovision a été un festival de satanisme et LGBTisme dans lequel l'art de la chanson s'est évaporé. Les imbéciles s'en félicitent, sans, vouloir, sans voir que laisser associer sans protester satanisme et LGBT truc machin-chosisme, dans l'esprit du citoyen européen lambda, va forcément engendrer une association d'idées entre les deux et une homophobie dont sera victime le gay de la rue, de même que le juif de la rue sera victime de l'anti-israélisme de réaction que Netanyahou fait sciemment croître et multiplier. Il sera inutile de faire les vierges effarouchées il y aura forcément des vengeances c'est l'honneur des militants de l'union juive française pour la paix et de tous les juifs antisionnistes par le monde de mener ce combat ouvertement avec grand courage en prenant tous les risques ils vont limiter les dégâts tant côté juifs de la diaspora que côté palestine les manifestations et protestations actuelles par le monde parviennent partiellement à enrayer la machine de guerre états une no, israélienne et c'est maintenant un génocide alimentaire sanitaire et polio être homosexuel ou transgenre et laisser faire l'endoctrinement, voire la mutilation sexuelle des enfants ou des adolescents, laisser avancer le rouleau compresseur de la GPA, qui ne concerne d'ailleurs que des gens fortunés qui font passer pour du progressisme ce qui relève du trafic d'êtres humains, c'est laisser grandir un monstre et une bombe à retardement qui va nous exposer à la figure. L'affaire actuelle de la clinique Tavistock constitue un avertissement sérieux pour les, les irresponsables LGB truc machin-chosistes qui devront payer un jour ou l'autre. En ce qui me concerne, cet article constitue mon sauf-conduit pour l'avenir et j'appelle tous les altersexuels à le reprendre à leur compte et à leur façon. Il ne se passe pas un jour sans que le rouleau compresseur de cette opération d'ingénierie sociale LGB truc-machin-chosiste ne nous envoie un drone en pleine face. Les Jeux olympiques de Paris sont en réalité des JOLGBTQI ⁇ qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit olympique ni avec le sport. Il s'agit d'une folie criminelle, comme l'a dénoncé cette chronique de la ligne droite. Et au lieu de la dénoncer, au lieu de s'opposer au gouvernement, comme le firent souvent nos prédécesseurs du temps où les activistes gays n'étaient pas vendus au pouvoir, les individus que les médias du pouvoir nous présentent comme des porte-parole de la communauté LGBT truc machin chose soutiennent de tout leur poids le totalitarisme Covidiste ou olympique. Aucune association LGBT truc machin chose n'a protesté contre les passes sanitaires imposées dans les établissements gays, alors que pourtant les gens de ma génération ont milité dans leur jeunesse pour défendre les gays atteints du sida, qui n'était pas une maladie imaginaire avant les trithérapies efficaces vers 1995. Les sœurs de la perpétuelle indulgence étaient des drag queens qui avaient des couilles et de l'humour. Diplodocus de ce temps où les revendications des militants n'étaient pas subventionnées par le pouvoir pour cacher les vraies revendications du peuple dont on écrase le regard à coups de talons. Aujourd'hui, tout est fait pour présenter les jeux comme une manifestation LGBT truc machin chose. Cela commence avec cet étalage d'innombrables panonceaux d'un rose pisseux partout dans le métro. Le rose est-il la couleur qui colle le plus à l'esprit des JO il a sans doute fallu verser 400 000 euros à McKinsey et copains des Macruel-Nécron pour trouver cette idée absurde. Voyez donc ce que ça donne ci-dessous. Et en même temps, nous subissons une autre campagne d'affichage dans le même métro avec le slogan Sur l'ensemble de nos lignes, la lutte contre la LGBT-phobie, c'est 365 jours par an. Et contre le génocide à Gaza, c'est le 29 février des années bissextiles recasé à la RATP. Jean Castex fait de son mieux contre la transphobie pour sauver le soldat chibrite. Récemment, le monde entier a appris consterné, sauf Sardine Ruisseau qui en frétillait d'aise, que le parcours de la flamme olympique sera commu en gay pride, avec plusieurs drag queens et autres personnes portant comme Gabriel Anal, notre ministre de la Propagande, leur LGBT truc machin-chosisme en sautoir. Nul doute que ça, cela ne ravira les chefs d'État africains, auxquels Emma Cruel-Nécron avait trouvé malin de dépêcher des ambassadeurs LGBT. Ce qu'il faudrait pour mettre fin à cette folie totalitaire LGBT-truc-machin-chosiste, c'est que les pays des BRICS et les pays d'Afrique boycottent ces JO LGBTQI ⁇ pour rejoindre le, les jeux des BRICS à Kazan, à teneur garantie à 0% de LGBT-truc-machin-chosisme. Alors l'Occident dégénéré pourra se donner dans une paix en mélange le spectacle sacré de sa propre présence, pour para paraphraser Marguerite Duras. Parmi ces messieurs-dames, un certain Arthur, connu sous le nom de marque Mini-Majesté, est présenté par les médias du pouvoir comme première drag queen à porter la flamme olympique en France. D'après ce que j'ai compris, cet individu dirige une entreprise de spectacle où il se produit comme animateur de loto ou autre réunion récréative. C'est fort bien, et j'apprécie d'habitude beaucoup l'humour drag queen ou transformiste, je n'ai aucun souci avec cela. J'ai même un ami très proche nommé Coxixgru Gru qui s'amuse comme une folle à rendre hommage aux premières dames de France, les plus belles jambes de Paris, sans en tirer le moindre centime mais fort jaloux de ne pas avoir été choisi pour porter la flamme et ridiculiser l'esprit olympique. Ce Coxixgru Gru aurait davantage fait rire nos amis africains et même nos amis russes que ce monsieur Arthur qui se vante de peser 100 kilos. Je dis cela au cas où Soral voudrait le traiter de grosse drag queen. Cet Arthur, qui est donc un chef de sa petite entreprise qui lui permet de gagner sa vie, ce qui est fort bien pour lui, se permet de parler en mon nom en tenant un discours militant contre l'homophobie et contre le sida. Je suis désolé ma grosse drag queen. Chouette, je vais aller en prison. Mais je t'interdis de parler en mon nom. Je suis écœuré qu'un artiste de cabaret, aussi talentueux soit-il, se croit autorisé alors qu'il ne s'appuie sur aucune légitimité populaire à parler au nom des gays et autres. Qu'il mène son petit commerce dans son coin, qu'il se baigne dans la scène avec Annie Dingo, Jean-Michel Tronieu et Choupinet s'il le veut, mais je refuse voir quoi que ce soit à voir avec ces pitreries qui ne me font pas rire et qui constituent en fait une pub pour le Notre Projet délétère et délirant des, des macruels Nécron et de ses propriétaires. Cela fait un moment que les brigitologues ont compris que le matraquage transgenre, plus que LGBT truc machin-chosiste en fait, est une ingénierie sociale, destinée à officialiser le coming-out transgenre de l'usurpateur d'identité et détourneur de mineurs de l'Élysée, qui nous coûte un pognon de dingue en perruque et en chirurgie de féminisation du visage dans la clinique du docteur Buis. Et cela passe Par l'hypersexualisation des enfants par l'OMS, dénoncée dans cette chanson par Marilyn Weber, laquelle se revendique grosse lesbienne, et autorise Soral à la qualifier comme telle, de même que je l'autorise à me traiter de gros PD, si ça peut lui faire plaisir, pendant qu'il se fait sodomiser dans sa cellule par des black buildés aux grand dames de Choupinet, qui, espérons-le, aura bientôt cette chance. Cela ne se fera pas en mon nom. Et je souhaite qu'il se crée en France et dans les pays francophones des associations qui protestent contre ce, contre ce rouleau compresseur de faux progressisme à la solde des milliardaires qui les financent en sous-main. Même pour l'épreuve de culture générale de BTS de mai 2024, ils ont réussi à pondre un sujet wokiste abordant la question transgenre. C'est stupéfiant le degré de collaboration de chaque rouage de l'État pour faire passer la bite du premier dame. J'imagine Gabriel Anal, ministre de la propagande, convoquer un recteur pour lui ordonner, d'ordonner aux inspecteurs que les sujets d'examen mettent en avant des personnages trans. Voici où nous en sommes. Le cas Soral. Il y a homophobie et homophobie. Il me semble être d'autant plus légitime à défendre Alain Soral que j'ai été victime jadis de sa part d'une insulte homophobe caractérisée à laquelle j'ai consacré cet article. Alain Soral, deux points le nasillon qui tire sur tout ce qu'il pense. Oui, Alain Soral était homophobe. Et j'explique dans cet article que son homophobie était contre-productive puisque son insulte à mon égard m'a longtemps empêché de m'intéresser à ses propos. De même que je m'étais éloigné du Dieu j'étais allé voir le spectacle quand même, parce que ses blagues sur les juifs avaient fini par me sembler trop lourdes, comme s'il n'avait que ça à dire. La clarification actuelle permise par l'offensive covidiste et à l'occasion du génocide perpétré par l'État israélien a nettoyé le champ de bataille. Et je pense que de tous les côtés, du moins chez les gens honnêtes, nous avons identifié nos vrais ennemis. La procédure de pardon de Dieudonné avec Lalanne, d'un côté, le travail effectué par Soral de l'autre, qui a fini par comprendre que les juifs, comme les sexuels de la rue, sont finalement victimes de truands qui parlent au nom du choatisme et au nom du LGBT truc machachosisme et qui s'est mise à parler de ces gens avec empathie, tout cela fait progresser les Panzer Divisionen de la vérité qui prend l'escalier, face au Char Abrams du mensonge qui prend l'ascenseur. Depuis que j'ai redécouvert Soral, son site Égalité et Réconciliation est devenu pour moi un site de référence dont je dévore les articles au quotidien. Je voudrais clarifier les choses en tant qu'ancien militant intersexuel et non LGBTiste. Ce qui m'avait blessé dans l'insulte de Soral, c'est que justement, il me traitait comme les militants LGBTistes auxquels je m'opposais alors, en 2012. Ce qui me valait la double peine d'être à la fois excommunié par les LGBT et victime des insultes des homophobes. Mon livre contre le mariage gay et mon opposition aux lois de répression de l'homophobie, ma dénonciation des profiteurs de la communauté gay dans mon livre paru en 2005, Altersexualité, Éducation et Censure. Il y a quelques années, une société privée avait déposé la marque Gay Pride et fait du profit sur notre dos. Aujourd'hui, ce sont quelques blancs-becs sans scrupules ni légitimité qui nous instrumentalisent et inventent la triste pride. Ai-je seulement le droit de dire que je ne suis pas d'accord sans qu'on me traite d'intellectuel de salon, je ne veux pas vivre une dictature gay et je ne souhaite à personne de m'avoir moi comme dictateur. Les altersexuels sont là pour briser les carcans, pas pour s'ériger en inquisiteurs en écrasant de leurs chaussettes à clous ou de leurs talons aiguilles les têtes de leurs prédécesseurs. Est-il à ce point inéluctable que les anciens persécutés deviennent les nouveaux oppresseurs Qui donc rompera cette chaîne qui mène en ligne tortueuse de l'orthosexracie à l'altersexocratie tout cela m'a fait mettre au banc de la dite communauté, de même que les juifs qui critiquent le sionisme sont les parias de la, commune, de la communauté juive. Quand j'avais sorti mon livre sur le mariage gay, malgré un article dans Le Monde, je n'avais eu droit à aucun article dans la presse gay et n'avais été invité à aucun débat dans des centres LGBT pourtant subventionnés par mes impôts. Bref, la prétendue communauté LGBT truc machin chose actuelle n'est plus qu'un furoncle, liberticide. Il n'y a rien à en attendre et je conteste toute leur prise de position. Mais j'ai beau protester, l'hétéro de la rue continuera à croire que ces faussaires corrompus par des George Soros ou des Bill Gates parlent en mon nom. Nous sommes coincés, d'où cette protestation. J'ai pardonné à Soral, mais un petit message de réconciliation de sa part ne serait pas vain. Dans les milieux résistants que j'ai commencé à fréquenter pendant la tyrannie covidiste, émergent souvent des saillies réellement homophobes, fort compréhensibles vu les provocations incessantes de la caste qui instrumentalise le lgbtisme. Je dois donc terminer par une mise au point je suis d'une génération qui a plus ou moins connu l'homophobie au début du Mitterrandisme, qui a commencé à la combattre avec Badinter. Les pitreries des drag queens actuelles, déformées par l'effet loop des médias, ont fait oublier le harcèlement policier des années 70 et 80. Les descentes de police humiliantes dans les établissements et lieux de drag gays. J'ai connu de l'intérieur l'association Aide en 1989-91, où j'ai vu de mes yeux les mourants du sida, souvent harcelés par homophobie, en plus de leur maladie. Et la naissance de l'idée qui donnerait le Pax des années plus tard pour les protéger de certaines malveillances. Devenu enseignant en 1991, j'ai immédiatement entamé une activité militante, à l'époque où ce n'était pas bien vu, en prenant d'abord le prétexte du sida, puis en faisant partie des pionniers de la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. J'en suis devenu l'un des premiers de cordée, sans jamais me mettre en avant autrement que par mon travail de terrain. Puis sur ce site, un travail totalement libre et indépendant, sans la moindre subvention, ce qui ne m'a pas été pardonné par le milieu LGBT Truc Machin Chose. Au fil des années, j'ai expérimenté dans les collèges puis lycées publics de Seine-Saint-Denis, où j'ai travaillé entre 1996 et 2018, des actions éducatives et culturelles permettant de lutter de façon non prosélite et non agressive contre l'homophobie, ou plutôt pour la tolérance à la diversité sexuelle. De nombreuses traces en restent sur le présent site et ailleurs. J'ai par exemple expérimenté dans mes classes, pour le bien public commun, le plus large spectre possible d'associations œuvrantes en milieu scolaire contre l'homophobie, de SOS homophobie à d'autres positionnements plus généralistes. Et j'en ai rendu compte, de façon objective, de façon à discerner les meilleures pratiques. Cela ne m'a pas été pardonné par les activistes dont j'ai parfois pointé certains discours inappropriés. J'ai parfois fait des erreurs, ce qui est normal quand on expérimente, et je les ai reconnues, dans le but de frayer un chemin pour des actions constructives qui ne mènent pas à l'effet inverse que celui escompté, comme c'est malheureusement le cas actuellement. Je répète, les menées actuelles des LGBT truc machin chose engendreront d'ici peu autant d'homophobie que les massacres de Netanyahou créeront d'antisémitisme. La principale erreur que j'ai commise a été de sous-estimer la théorie du genre et son pouvoir de nuisance. Je croyais que les chercheurs de ce domaine se livraient parfois à des exagérations, voire des provocations habituelles dans tous les domaines de recherche, mais que le temps trirait. Je m'étais moi-même plus ou moins sciemment livré à des provocations. J'étais à moitié innocent, disons jusqu'au Covidisme, et j'ignorais que c'est des manipulateurs mondialistes. Pu changer la donne de la main invisible du marché des idées à coup de subventions aux unités de recherche et aux médias et propulser un docteur véreux en tête de gondole du marché de la science tout en faisant passer un professeur Raoult pour un charlatan. J'ai publié sur le présent site des centaines de critiques de livres jeunesse traitant de questions intersexuelles sans complaisance et là aussi signalant ce qui était pour moi de bonnes et de mauvaises pratiques. Là aussi, je ne me suis pas fait que des amis car ce petit lobby. Sûr de lui-même et dominateur, n'admet pas la contradiction. Je me suis souvent amusé pendant cette période de ma vie où j'étais interviewé, j'ai longtemps été l'un des seuls enseignants à traiter de l'homophobie dans des établissements publics de ce département ONI, à remarquer que mon interview était jetée à la poubelle par le journaliste et remplacée par celle d'un jeune prof qui rasait les murs et n'avait jamais osé lever le petit doigt et proclamer en gros titre Il est impossible de parler d'homosexualité dans certains établissements. Un journaliste très connu de France Intox est venu m'interviewer chez moi pour un livre consacré aux sans-voix. Quand le livre est paru, banco, mon entrevue était remplacée par un autre type qui a noté le discours attendu que je résume ainsi. 100% des élèves de culture musulmane sont d'horribles homophobes, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, Aïl Zemmour. C'est le discours néocon du choc des civilisations. Toute personne qui propose une vision de terrain moins manichéenne est invisibilisée. Vu mon expertise sur le sujet, on aurait dû me proposer un poste de référent national ou académique, que j'aurais sans doute refusé. Mais non. Au fil des années, j'ai vu ces places prises par ceux qui avaient compris que grâce aux braves cons comme moi qui avaient traversé le champ de mine, le marché de la lutte contre l'homophobie était désormais aussi rémunérateur que celui du chouatisme. J'ai donc quitté cet activisme définitivement en 2014, mais je n'ai aucune leçon à recevoir de militants de la 11e heure et je leur interdis de parler en mon nom. Cependant, à nos amis résistants à la tyrannie mondialiste, excédés par ces pitreries et gesticulations de faux activistes qui tombent dans le rejet de toute revendication intersexuelle, je me permets de leur rappeler qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La Gay Pride devrait constituer une fête carnavalesque tout à fait légitime, y compris dans ses excès, comme tout carnaval hétérosexuel. C'est une fois par an et ce n'est pas fait pour les enfants, avec du sexe comme dans tous les carnavals. Le carnaval de Dunkerque, les Touloulous de Guyane, le carnaval de Rio, etc. Ne pensez pas à la mascarade People de Paris avec le défilé des mat vu de Plateau Télé et les slogans imposés par la nomenclatura LGBT-Truc Machin-Chosiste. Pensez au modeste défilé de province qui va permettre à la jeune fille qui se découvre attirée par les filles et n'ose rien dire chez elle de rencontrer des gens comme elle. Les gays et lesbiennes sont une catégorie de minorité pour qui le cocon familial n'est pas toujours un cocon, contrairement aux minorités ethniques ou religieuses. Aussi persécuté soit-il, un enfant palestinien ne vit pas dans une famille de juifs du Likoud. Quand j'avais 20 ans, les Gay Pride de Paris réunissaient quelques centaines de personnes. Dans tous les domaines, évitons de juger des choses du passé avec les lunettes du présent. Les drag queens, quand ils font de l'humour et mènent leur petit commerce sans nous casser les couilles, proposent un excellent divertissement. On pourrait même imaginer un spectacle de drag queen à destination d'un public familial, exempt de tout prosélytisme. Le drapeau arc-en-ciel est un signe de reconnaissance non-violente tout à fait légitime et n'est pas du tout la propriété des gays, mais aussi du mouvement patché ou des incas. D'ailleurs, les LGBT trucs machin-chosistes l'ont dénaturé et vidé de toute substance en voulant y ajouter autant de couleurs que de lettres dans leur acronyme Tancarville. Faut-il rappeler à nos amis militants que le monde hétérosexuel n'est pas un monde de bisounours Un mariage sur deux se termine en divorce. Les boîtes à partout où se retrouvent les hétéros n'ont rien à envier au backroom gay. La prostitution et le porno gay ne me semblent pas plus dégradants, voire moins que la version hétéro. Et ce n'est pas nouveau. Je vous renvoie à Casanova et à Rétif de la Bretonne pour savoir comment les gens baisaient en public au XVIIIe siècle ou comment le roi pédophile Louis XV se faisait acheminer les plus belles mineures du royaume. Les abus sexuels commis par des hétéros, y compris dans les écoles, ne relèvent pas d'une théorie du complot, ni certains comportements homophobes. Je regrette seulement que la méthodologie non-violente et non-prosélite de lutte contre l'homophobie que j'avais contribué à mettre en place avec quelques camarades au début des années 2000 ait été abandonnée au profit des délires contre-productifs actuels. Dans le silence assourdissant des personnalités de plateau télé, le même silence que celui qui laisse affaire la tyrannie covidiste et qui laisse installer la société de surveillance sous prétexte de Jeux Olympiques. Au terme de ce trop long article, revenons au sujet. Même si ce n'est qu'une peine de 40 jours, Alain Soral est un prisonnier politique, à un niveau moindre que Julian Assange, dont je vous rappelle ce discours historique. Tous les opposants à la canaille mondialiste sont des prisonniers politiques en puissance. La leçon du pasteur Martin Nimoller vaut aussi pour Soral, car il ne fait que précéder chacun d'entre nous. Le défendre, c'est se défendre. « Bientôt votre serviteur sera en prison sous prétexte de transphobie pour avoir divulgué l'information donnée par fait document, selon laquelle Jean-Michel Tronieu, ancien détourneur de mineurs de moins de 15 ans, usurpe une identité et une fonction informelle de première dame dans notre pays. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. » Avec la complicité active des collabos du LGBT truc machin-chosisme. En guise d'ironie du sort, je dédie à Soral cette chanson typique des années 70, signée Maxime Forestier. La vie d'un homme. Tu n'aimes pas la pitié, Pierre, aussi je ne te plaindrai pas. Accepte juste ma colère, j'ai honte pour ce peuple-là. Je crie à ceux qui se reposent, à ceux qui bientôt t'oublieront. La vie d'un homme est peu de chose, et Pierre la passe en prison. Je terminerai par une petite saillie apotropaïque, destinée à me préserver de la bordée de mohanisme que ne manquera pas de me valoir cet article de la part des gens que je conteste, en lieu et place d'argument, selon les valeurs de la. Démocratie dont se réclament ces imposteurs. et Imposterice. Extrême droite, droite, anti-vax, vax, 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 complotiste, qui est-ce qui est complotiste, complotiste, anti-bique, anti vax anti vax